Sixième étape du Dakar 2021, avec les difficultés pour les concurrents de rallier l'arrivée hier lors de la cinquième étape. La décision a été prise de réduire celle-ci de 100 km. Départ également un peu plus tardif que d'habitude, une chance pour se rattraper avant le départ à 9h35. Le nouveau leader du général Kevin Benavides devait ouvrir avec son coéquipier Nacho Cornero. L'Argentin se sentait bien malgré son nez cassé sur son système GPS hier. Danny Sanders domine la catégorie rookie cette année, environ 1h30 d'avance sur son challenger le plus proche. L'Australien a poussé un peu aujourd'hui pour rattraper son retard, il est arrivé 15e hier. Le pilote KTM 3e sur cette étape à moins d'une minute, à quelques regrets puisqu'il est 12e au général avec 7 minutes de pénalité. Le terrain est vraiment impressionnant, il change tous les jours. Des rochers, du sable, et c'est vraiment agréable à conduire, donc vous avez de la variété, et cela montre le meilleur pilote à la fin de la journée. Ricky Brabec, lui aussi, a été largué au général. Il a dû durcir le ton, attaqué aujourd'hui, il a passé une bonne partie de la journée avec Pablo Quintanilla. Le champion en titre a déclaré que c'était sa meilleure journée sur ce Dakar et qu'il se sentait vraiment bien, surtout en termes de sensations. Il a survolé les dunes, il termine la première semaine avec 20 minutes de retard tout de même. Le coéquipier de Brabec chez Honda, Johan Barreda, a remporté la victoire d'étape. Déjà sa 3e sur ce Dakar, sa 27e en tout. Il est quelque peu derrière Stéphane Peter Hansel et Cyril Després avec 33 succès chacun. Bang Bang est maintenant 7e au général avec 6 minutes et demie de retard. Il est très satisfait de ses efforts tout au long de cette première semaine. En fin de compte, je suis heureux, je me sens bien. Je n'ai pas eu d'accident majeur, je me sens fort pour cette première semaine. Xavier de Soultrey a été jusqu'à présent l'un des plus inspirés. Toujours constant sur ce Dakar 21, il a roulé intelligemment aujourd'hui. Il ne voulait pas pousser comme un fou. Il tient également à préserver ses pneus pour une fin déterminante sur le rallye. Le Français a clairement une chance sur sa 8e participation. Et à mi-course, il est 5e au général à moins de 4 minutes. De Soultrey espère jusque-là qu'il pourra continuer de la sorte en deuxième semaine. Un autre homme qui peut déjouer les pronostics sur sa Yamaha du Monster Energy Rally, c'est Ross Branch. Il joue serré comme Xavier de Soultrey, sans prendre trop de risques. La Ferrari du Kalahari a eu une belle journée sur un bon rythme dans les dunes avec Mathias Wagner. Il rate la victoire d'étape pour seulement 13 secondes, bien que cela puisse ne pas être une mauvaise chose. Avant l'étape marathon, il n'ouvrira pas. Ce sera après la journée de repos. On revient à Nacho Cornero et Kevin Benavides qui fait un travail sensationnel à l'avant, en tête pendant toute la journée. Quatrième l'an dernier, Cornero s'améliore régulièrement. Après un départ un peu plus lent, il se retrouve troisième au général à 3 minutes de la tête malgré sa 11e place aujourd'hui. Benavides a expliqué que sa cheville lui dérangeait un petit peu, plus que son nez d'ailleurs après la chute d'hier. Il n'a pas perdu beaucoup de temps. Il occupe la 2e place du général, il est heureux avant cette journée de repos. Toby Price a fait l'éloge de Cornero et Benavides qui ont imprimé un rythme fou selon le pilote australien. Price était à la hauteur, il a récupéré la tête du général malgré une petite chute. Le vainqueur 2016-2019 a une semaine faite de haut et de bas mais terminant haut du classement, rien de tel pour garder de la confiance. Ça a été un mélange de tout, vraiment. Mais regardez, dans l'ensemble, on est toujours dans la lutte. On est toujours là dans la course, tout peut arriver, il y a encore un long chemin à parcourir. Et oui, on attend déjà avec impatience cette deuxième semaine. Encore une autre victoire d'étape donc pour Barreda, surprenant. Branch pour 13 secondes, Sanders, Brabec et Walkner font partie du top 5 aujourd'hui. Le rallye est loin d'être terminé avec seulement quelques minutes qui séparent les premiers. Price est en tête avec 2 minutes 16 d'avance sur Benavides. En quad, Alexandre Giroud décroche sa 3e victoire sur ce rallye, prologue compris, le Français reste 3e au général. Cavigliasso prolonge son avance avec 33 minutes sur Manuel Andújar, qui lui cherche une 2e victoire d'étape sur ce Dakar, alors que Cavigliasso cherche lui une 2e victoire sur le Dakar.